Viens l'Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens l'Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Ô Esprit de sagesse, détache-nous des biens de la terre. Donne-nous amour et saveur pour les choses du ciel. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour à tous, amis de la miséricorde, en ce samedi 21 mai, où nous fêtons Saint-Eugène de Mazenod, fondateur des Oblats de Marie, qui fut un évêque de Marseille, qui a été à l'origine de la construction de Notre-Dame de la Garde, une épopée extraordinaire. Et donc nous allons demander à Eugène de Mazenod de présenter toutes nos intentions au Seigneur. Et avant, on va redire deux paragraphes du petit journal. Jésus nous dit « Je désire m'unir aux âmes humaines. Mon délice est de m'unir aux âmes. Lorsque je viens dans la Sainte Communion, jusqu'au cœur des hommes, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes. Ce n'est pas dans les grandes bâtisses ni les constructions magnifiques, mais dans un cœur pur et humble que je trouve plaisir. » Voilà, alors quand on va recevoir la prochaine communion, on imaginera Jésus qui vient jusqu'au cœur de notre cœur, et que ça lui fait vraiment un grand, grand plaisir de venir s'unir à nous et de nous apporter plein de grâce et de bonheur dans notre vie, dans notre, des bénédictions de toutes sortes pour nous rendre heureux à nous aussi. Et puis, vous voyez, c'est dans un cœur humble et pur. Ce n'est pas une question d'argent ni de statut social. C'est un cœur pur et humble qu'il trouve son plaisir. Alors Seigneur, fais de nous des âmes qui soient dans cet état-là, simples, pures, désireuses de te recevoir, tournées vers toi, ainsi soit-il. Donc, Saint Eugène de Mazenod présente toutes nos intentions au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, Marie, j'ai confiance en vous. Jésus, Marie, j'ai confiance en vous. Jésus, Marie, j'ai confiance en vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Notre-Dame des Ardents. Sainte Vierge Marie, vous avez si miracordieusement apporté à la ville d'Ars un remède contre le mal des Ardents. Préservez-nous, par votre intercession toute puissante, des maladies corporelles et du mépris des valeurs évangéliques. Ainsi soit-il. On va demander à Marie et à Jésus de nous bénir, de bénir toutes nos familles, toutes nos intentions, tous nos projets, tous nos chers et tous nos défunts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui samedi, nous allons méditer les mystères joyeux. Alors nous sommes à Monte Chiari, ça veut dire la montagne claire. C'est dans le nord de l'Italie, c'est dans la plaine du Pô. Et Marie, donc, est apparue beaucoup, beaucoup de fois à une infirmière. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, à Pirinagili. Et donc, c'est un nouveau pèlerinage auquel qu'on a commencé à faire hier. Et aujourd'hui, nous allons méditer les mystères joyeux du rosaire de Monte Chiari. Et puis, juste à côté de la ville de Monte Chiari, il y a un lieu qui s'appelle Fontanelle. Et là, de l'eau est apparue, un peu comme à Lourdes, et on baigne les malades. Et voilà, c'est un beau lieu où on fait le chemin de croix. Donc, si vous ne connaissez pas Monte Chiari, l'Église a nommé un recteur, donc c'est officiel. Je ne dirais pas que tous les messages qui ont été donnés là-bas sont reconnus, c'est un peu comme à Medjugorje, mais c'est tellement beau, et on se plaît à suivre les indications, les conseils de Marie. Voilà, alors bon pèlerinage à Monte Chiari, on se retrouve demain, dimanche, pour l'heure de la miséricorde, si Dieu le veut. À demain !